à tous, soyez les bienvenus dans ce journal du mercredi 13 septembre. Quels sont les titres? Les voici dans votre sommaire. Nous reviendrons sur ce colloque consacré aux déchets marins, destiné principalement aux communes voisines et de l'arrière-pays. Présentation ensuite de l'agenda événementiel du Grimaldi Forum. Le début de semaine a été marqué par la rentrée scolaire. Eh bien, sachez qu'il était aussi question de rentrer à l'Académie Princesse Grâce. Vous découvrirez la toute nouvelle exposition du collectif Nomade. Et notre invité du mercredi est consacré à la Monaco Classic Week. Au cours de vos vacances estivales, vous avez peut-être été amené à tomber malheureusement sur des déchets en mer ou même sur les plages. La pollution marine était justement au cœur d'un colloque organisé au musée océanographique. Nous nous sommes rendus sur place pour vous. Les images sont signées Olivier Bonello. Ramoges et Pélagos, deux accords qui ont une préoccupation commune, celle de participer activement à la réduction des déchets marins. Les espèces qui vivent sous le niveau de la mer croisent chaque jour la route de traces de pollution d'origine principalement terrestre. Ce colloque basé sur l'échange était ainsi destiné principalement donc aux communes et aux représentants des communes qui gèrent les déchets. Et dans l'idée, c'est les communes littorales, mais aussi ce qu'on voulait sensibiliser, qu'on commence à sensibiliser, c'est les communes dans l'arrière-pays qui ne se sentent pas nécessairement concernées par la problématique des déchets en mer, mais justement, on disait qu'il faut commencer à les sensibiliser. Il y a des campagnes auprès des plaisanciers, auprès des citoyens sur les plages, dans les écoles. Je pense que c'est un travail de longue haleine qu'il faut répéter, et il ne faut pas se décourager. Voilà, mais ça, je pense qu'effectivement, enfin, il faut passer par la sensibilisation, c'est incontournable. La pollution, c'est une des premières causes de mortalité non naturelle, entre autres des mammifères marins et de nombreuses espèces. Il y a entre autres le plastique. 80% de la pollution des déchets marins sont constitués de plastique. Et ces déchets se décomposent, vont en mer, s'infiltrent dans la chaîne alimentaire, se retrouvent dans nos assiettes. Donc nous mangeons nos propres déchets. Donc il est urgent d'agir. Origine de ces déchets, gestion, démarche port et plage. Propre, surveillance. Des mesures sont prises justement afin de faire face à ces types de pollution et à les réduire. Des initiatives visent par exemple à récupérer les déchets à travers des approches participatives. La pédagogie est bien sûr un élément clé pour impliquer les plus jeunes, à Monaco bien sûr, en Italie et en France. Petit à petit, de génération en génération, les gens commencent à être informés, éduqués. Il y a tout un ensemble d'actions à l'environnement qui sont de plus en plus efficaces. La question qui se pose, c'est de savoir si l'augmentation de la quantité des déchets, du fait de l'augmentation de la population et des activités, la multiplication des usages de plastique par exemple, ne risque pas d'augmenter comment dire, les rejets. C'est un petit peu ça. Mais malgré tout, on sent quand même qu'il y a même une volonté politique d'organiser les choses et que petit à petit, ça se met en place. On peut espérer que dans quelques années ou quelques dizaines d'années, on aura beaucoup moins. Oui. Et parmi les actions entreprises, à noter l'interdiction du sac plastique à usage unique, une mesure essentielle lorsque l'on sait par exemple que les tortues avalent les sacs en les confondant avec l'un de leurs mets favoris, les méduses. Et l'actualité monégasque, vous le savez, se développe aussi sous forme de brève. Les voici. La Principauté s'associe à la 16e édition de la Semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre. L'objectif de cet événement est d'encourager chacune et chacun à se déplacer autrement, à pied, en vélo, en véhicule électrique, en covoiturage et en transport en commun. Ce week-end aura donc lieu une grande fête de la mobilité qui se déroulera au Larvotto face à la Rose des Vents de 10h à 18h. Au programme, et c'est gratuit, de véhicules électriques 2 et 4 roues, jeux ludo-éducatifs de sensibilisation, plusieurs challenges proposés, divers ateliers récréatifs, sportifs et éducatifs. Le mois de novembre sera placé sous le signe du spectacle à l'espace Léo Ferré. Le célèbre imitateur Michael Gregorio viendra présenter son nouveau spectacle « J'ai 10 ans » le vendredi 3 novembre et la chanteuse Ayo donnera quant à elle un concert le dimanche 12 novembre. Pensez donc à réserver vos places de toute urgence.
Vous l'avez entendu dans ces brèves, il était question de la semaine européenne de la mobilité qui aura lieu, entre autres, à proximité du Grimaldi Forum. Alors pour rester dans cette thématique agenda, quels vont être justement les temps forts à venir au cœur du Centre de Congrès et de Culture de la Principauté? Christine Datomel et Olivier Bonello ont assisté à la présentation de l'agenda. Le Grimaldi Forum a lui aussi fait sa rentrée en présentant à la presse son nouvel agenda et qui nous réserve bien des surprises. Cet automne et cet hiver, la programmation sera encore riche et variée. Kids United, Elton John, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, Anna Netrebko, nous avons déjà des têtes d'affiche. À cela, il faut rajouter le concert d'ouverture de l'Orchestre Philharmonique avec Berezovsky au piano. Vous voyez qu'on a déjà, j'ai envie de dire, du lourd concernant la musique. Après, au niveau événementiel, on va retrouver ce qui fait le calendrier du Grimaldi Forum, les rendez-vous traditionnels, que ce soit le mix pour le clubbing, les rendez-vous des Thursday Live Session, un jeudi par mois avec des groupes à découvrir. Nous allons aussi avoir les rendez-vous, on va dire, incontournables, la fête nationale avec Roberto Alagna et Barbara Frittoli dans Adriana le Couvreur, les ballets de Monte Carlo qui reviendront cet hiver en fin d'année avec La Mégère apprivoisée qui a connu tant de succès, qui a été dansée par les danseurs du Bolchoï. Mais là, ce seront bien les danseurs de la compagnie qui vont se réapproprier La Mégère apprivoisée, le Monaco Dance Forum. Une programmation donc riche et variée qui commence dès samedi avec le Gala Russe qui va mixer de grands danseurs russes issus du Bolchoï, du théâtre Mikhalovski, avec de grands danseurs européens venus de l'Occident pour une ouverture des frontières de la danse sur la scène du Grimaldi Forum. Et restons encore un peu du côté du Grimaldi Forum où l'exposition estivale a bien sûr marqué les mois qui viennent de s'écouler. Écoutons à ce sujet Sylvie Biancheri. On est très contents. On a enregistré 47 000 visiteurs, qui est un très beau chiffre. C'est vrai que c'est une exposition qui a beaucoup plu. Une exposition qui, je crois, a plu au plus grand nombre, dans le sens où elle était très didactique, très agréable à visiter. Et c'est vrai que c'est pour nous un grand bonheur que de retrouver comme ça un public ravi, qui, je crois, aussi avait envie de retrouver un sujet de patrimoine, un sujet de civilisation, qu'on leur raconte une grande histoire, en l'occurrence l'histoire des empereurs, des derniers empereurs. Et puis alors l'été prochain, le public pourra également découvrir un autre patrimoine. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Nous renouons avec l'Égypte et nous avons d'ores et déjà entériné avec le ministère des Antiquités égyptiennes un prêt de 150 pièces exceptionnelles pour raconter 2500 ans d'orfèvrerie dans l'Égypte pharaonique. Comme tous les écoliers de la Principauté, eux aussi ont fait leur entrée lundi. Alexandra Pagny a suivi la première journée des jeunes danseurs au cœur de l'Académie Princesse Grâce. Ils sont le visage de la 42e promotion de cette prestigieuse école de danse. Ils sont âgés cette année de 13 à 18 ans. Et au programme de cette formation, danse classique, contemporaine, des cours de composition, du pilates, mais aussi de la musique et de l'histoire de la danse, sans oublier bien entendu un enseignement scolaire par correspondance, adapté à chaque élève selon son âge et sa nationalité. Cette année, ils sont 14 nouveaux élèves à intégrer l'institution, tous d'horizons différents. Fabien, lui, arrive de Roumanie. J'aime ce sentiment lorsque je suis sur scène, que je mets toute mon âme dans la danse, dans ce que j'apprécie le plus. Pour moi, le plus beau moment au monde, c'est lorsque le public se met à applaudir, que les applaudissements retentissent et que nous sommes satisfaits de ce que l'on a fait. Pas moins de 13 nationalités sont représentées à l'Académie. Elle est française, nous l'avions suivie lors de sa première rentrée il y a 2 ans. La jeune Juliette a bien grandi, tout comme ses ambitions. Travailler encore plus et de pouvoir passer l'année prochaine encore, pour ensuite pouvoir passer mes auditions. Et c'est vrai que je suis vraiment contente d'être ici. Cette année sera difficile et engageante pour les 9 futurs élèves diplômés. L'objectif, atteindre le taux de 100% de contrats signés au mois de juin, un excellent résultat obtenu depuis 9 ans. Je suis très excitée de commencer mon 4e année
Et je me sens très bien ici parce que j'étais là pour 4 ans maintenant et je dois travailler très fort pour prendre un contrat que je veux. Première échéance pour les élèves de l'Académie Princesse Grâce, les imprévus qui se dérouleront à l'atelier des ballets de Monte-Carlo du 7 au 9 novembre. Les jeunes danseurs présenteront une ébauche de leur travail après seulement quelques mois de formation. Il s'agit de sa 9e année en tant que directeur artistique de l'Académie Princesse Grâce. Écoutons à présent Luca Massala. C'est une rentrée complètement différente parce que les premières rentrées, première, deuxième rentrée étaient très dures. Il y avait tout à refaire. Il y avait le bâtiment déjà qu'on devait renouveler, l'équipe pédagogique aussi, et trouver des nouveaux élèves. Alors aujourd'hui, c'est une rentrée beaucoup plus sereine. C'est, naturellement, on a toujours le stress. On a 9 élèves qui se diplôment. C'est toujours essayer de les aider à trouver un travail et faire en sorte que ces 9 ans de pourcentage, 100% de résultats continuent aussi pour cette saison. On a fait pas mal de travaux depuis 9 ans. Là, cette année, on a commencé la première phase des travaux de la clim. Ça aide un peu parce que c'est un bâtiment qui est très chaud. On se prend toujours les premiers 4 mois par rapport aux nouveaux pour comprendre comment ils sont. Parce que comme ils sont jeunes, la grande majorité d'entre eux sont très jeunes et il y en a qui ont besoin du temps. Il y a quelques années, peut-être j'étais un peu plus rapide, un peu moins patient, non pas avec eux, mais... Je prenais peur plus rapidement, je me disais non, ça ne va pas marcher, l'école est trop difficile pour eux. Là, je sais qu'il y en aura certains que peut-être ils ne vont pas commencer très bien, mais on leur donne le temps jusqu'en décembre pour comprendre. Par contre, ce qui est très important maintenant, c'est les auditions. Ça commence aujourd'hui déjà, ce soir, on a un premier rendez-vous avec tous les élèves pour comprendre où est-ce qu'ils veulent aller, pour que je puisse aussi les aider à comprendre les différentes compagnies. Ça, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup plus, parce qu'à chaque année, les envies des élèves ne sont pas là où la réalité est. Alors, c'est très difficile parce que j'ai un rôle de fois un peu ingrat d'essayer de leur faire comprendre que peut-être le rêve où eux, ils voudront aller, il est un peu trop loin pour l'instant. Il faudra attendre peut-être quelques années et rentrer dans d'autres compagnies. Vous l'aurez constaté, je me trouve au bord de la mer Méditerranée. Nous allons rester encore une fois sur les rivages de la Grande Bleue, mais je vous propose de prendre à présent la direction de Cap d'Ail et plus particulièrement de la villa Le Roc Fleuri qui accueille une fois encore cette année une exposition du collectif Nomade, comme va vous l'expliquer dans ce reportage Alexandra Pani. Elle ne durera qu'une courte journée, cet imposant bloc de glace taillé fait partie des nombreuses sculptures à retrouver dans le cadre enchanteur de la Villa Roc Fleuri. Une œuvre éphémère qui côtoie dans les allées du jardin des installations sonores, olfactives ou encore plus traditionnelles autour du thème de la dématérialisation. Chaque artiste a travaillé sur ce thème, comme chaque année, et il y a donc effectivement des surprises parce que les matériaux ont été un petit peu différents des années précédentes. L'approche est forcément différente et le résultat, j'espère, est à la hauteur des espérances. 28 artistes sont à découvrir cette année pour cette exposition Nomade jusqu'au 30 septembre. Paul Stapleton est un habitué des lieux. C'est très fort comme lieu parce qu'on a la mer à côté. Les gens pensent que c'est juste un plaisir, mais en fait c'est une présence extrêmement forte. C'est très curieux d'être avec une ville derrière, pleine de monde, et puis en ligne, et là, il n'y a plus personne. Le groupe d'artistes se rendra ensuite le 8 octobre à l'Arboretum de Roure, situé à 1200 mètres d'altitude, pour la sortie d'un livre célébrant 15 années de travail et de collaboration. Vous le voyez depuis le début de ce journal, grâce aux images d'Alexandra Paolini et au son d'Eric Elkoubi, nous sommes devant le Yacht Club de Monaco où a démarré la Monaco Classic Week. Dominique Poulain reviendra sur cette édition 2017 à travers des reportages dès jeudi à 19h sur Monaco Info. Mais pour l'heure, je vous propose de rejoindre notre invité qui est justement le président du jury de cette Monaco Classic Week, Sir Robin Knox Johnston. Merci de nous accueillir ici devant le Yacht Club de Monaco pour parler de cette Monaco Classic Week. Que pensez-vous de cet événement ? Oh, c'est une opportunité pour un rendez-vous pour tous les belles bateaux, les bateaux anciens, dans l'époque ancienne, et examine tous les bateaux, la comparaison avec, contre les bateaux. C'est une semaine fantastique. C'est comme un musée actuellement. Superbe.
Vous êtes justement cette année le président du jury. Qu'est-ce que vous allez regarder? Quelles vont être vos missions? La mission est pour choisir les plus belles bateaux. Deux, trois questions. Le bateau. Images, oui. Et aussi le travail dans le bateau, le detail du bateau. Et aussi de l'équipe, l'attitude de l'équipe dans le bateau. S'il connaît bien le travail nécessaire pour ce bateau. Les trois questions. Et moi et les autres dans le jury examinent toutes. Vous connaissez très bien les bateaux. Vous avez été le premier homme à effectuer un tour du monde en solitaire. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette expérience? C'est quand je suis un jeune homme. Je suis 30 ans. C'est une expérience très différente. Aujourd'hui, il y a différentes compétitions. À ce temps, il y a une aventure. Maintenant, il y a une régate. C'est aussi différent. 302 jours seulement dans un bateau, OK, c'est nécessaire pour gagner. Mais maintenant, je pense que les personnes n'aimaient pas 7 temps dans un bateau. Il faut beaucoup de courage. Non, courage. Stupide, peut-être. Vous avez aussi remporté le trophée Jules Verne, un trophée très prestigieux. On peut dire que c'est votre meilleur souvenir, peut-être? L'idée pour le trophée de Jules Verne, c'est superbe. C'est typique français, actuellement. Très romantique, mais une bonne idée. Et quand Peter Blake et moi écoute cette idée, c'est une idée. La première fois contre Bruno Perron, le bateau est cassé. Deuxième contre Olivier de Kersauson, non, le bateau est bon. C'est une aventure. 74 jours dans le bateau, 8 personnes, très très vite, pour le temps très vite. Maintenant, le record est. Juste plus de 40 jours. 40 jours. Oh, c'est incroyable, hein? c'est bon pour le record. Il change de Jules Verne, trophée. Je pense qu'il est un des premiers trophées pour les voiliers de Jules Verne. Une dernière question. Quel est votre bateau, votre voilier préféré à ce jour? Le bateau de vos rêves, peut-être? Doesn't matter. Si le bateau est confortable pour la situation, je suis content. Pour le régate, peut-être trimaran ou catamaran. Pour le cruising, monohull. À ce moment, j'ai deux monohull. Mais je cherchais un petit trimaran pour la prochaine route de Rome contre Loïc Perron. So, le bateau pour le régate. Voilà, bonne recherche et bon travail tout au long de cette Monaco Classic Week jusqu'au 17 septembre. Et on suivra bien sûr avec attention toutes les unités que vous allez, comme nous le disiez, étudier avec détail, tous les équipages que vous allez rencontrer. On suivra bien sûr les résultats sur Monaco Info. Encore merci. Merci. Et je vous laisse avec la météo sur Monaco Info. Jeudi sera une belle journée malgré la présence de quelques nuages. Les températures oscilleront entre 20 et 25 degrés. À compter de vendredi, par contre, le temps sera un peu plus incertain. Au programme, un ciel couvert, des apparitions du soleil irrégulières et de légères averses pouvant s'intensifier samedi, alors que dimanche, le ciel se partagera entre éclaircies et passages nuageux. Et après la pluie, le beau temps. Lundi sera, quant à elle, une belle journée ensoleillée. Peu de changements par contre du côté climat qui sera toujours aussi doux pour la saison, annonciateur d'une belle semaine qui tendra plus sur le bleu que le gris.
Voilà pour vos prévisions météo. Merci à vous pour votre fidélité. Merci de nous suivre chaque jour sur Monaco Info. Et je vous laisse justement avec la suite de votre programme sur la chaîne. À très bientôt.